Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 1 de Bastion, un jeu de rôle orienté action disponible en téléchargement sur PC. Alors je vais vous lire directement la description de ce qu'il y a sur jeuxvideo.com, ça sera plus facile. Donc bénéficiant de graphismes 2D dessinés à la main et d'une narration en temps réel, le soft nous met dans la peau d'un jeune homme épargné par un cataclysme. Un cataclysme, c'est pas drôle, dis donc. À l'aide de diverses armes customisables et de quelques capacités spéciales, on devra explorer des niveaux très dangereux afin de rénover le seul abri susceptible de sauver la vie des derniers survivants. Bon, vous avez compris, hein, c'est après la fin du monde, après le cataclysme, on va devoir s'y remettre. Hein. Voilà. Alors c'est un jeu qui me tentait beaucoup, mais vraiment beaucoup. J'avais testé la démo qui était vraiment très charmante à mon goût. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tester ça avec vous, après à vous de me dire si vous aimez ou vous aimez pas. Et ben, s'il y en a qui aiment, on continuera. Donc on va commencer en mode normal. Alors c'est un jeu en anglais, sous-titré en français. Donc on va laisser charger. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. D'accord. Ok. Ah, il faut que je... Ok, il fallait que je. Sets off for the bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Bon, on a les touches classiques pour se déplacer. Je pensais que c'était à la souris un peu comme Diablo, mais non. Vous voyez que les décors sont... Une double top. Vous voyez que les décors sont juste magnifiques, c'est impressionnant les graphiques. Ça va être sympa pour parler s'il parle tout le temps maintenant que moi. Alors ça c'est mon ami, qu'est-ce que c'est? Ah, un marteau. Il appelle ça son ami. Oh là le violent. Récontre. Et bon, ok. Oh, je peux casser le décor. Nickel! D'accord, je. Est-ce que pour esquiver. Alors, espace, d'accord. Donc, au lancement du jeu, on nous précise. On va rester sur place à lui. Parle en même temps que lui. Alors, je disais, au début du jeu, on nous précise que c'est un sauvegarde automatique. Donc, j'ai mis un chrono pour 30 minutes. Ah oui, j'ai pas oublié le chrono cette fois-ci, c'est un truc de malade. Et je pense que dans les environs de 30, j'irai jusqu'à la prochaine sauvegarde. Ou si j'en ai une qui est un petit peu avant, je couperai à ce moment-là. J'ai pris justement 10 minutes de plus que d'habitude pour que ça nous laisse le temps d'atteindre les points de sauvegarde. En espérant que les points de sauvegarde sont pas trop éloignés les uns des autres. That a survivor. No, ma'am. It's a gas villain. Madame, forced madame. Out from underground. Ok, je pense qu'il va falloir le taper, lui. Ah oui, il faut le taper. Ce qui nous donne de l'XP. Et il m'a enlevé de la vie après. Ouais, d'accord, c'est pour l'histoire, je pense. Et je peux tout péter, en fait. C'est un jeu de malade, en fait. Ah. Yeah. And then he falls to his death. I'm just fooling. D'accord, il me fait tomber et après il me dit je plaisante, ok. C'est peut-être moi qui ai marché de travers aussi. Donc visiblement on peut tomber. Alors la patte graphique de ce jeu me fascine, je pense que je vais le répéter souvent parce que c'est vraiment pour moi une... Je sais pas comment... Just rages for a while. Ah ouais, je suis un violent, si tu crois, je kill des mamies. Ou pas d'ailleurs. Voilà, donc c'est un peu du hack and slash, ça me fait penser un peu, mine de rien, pas en graphique bien sûr, mais au principe de jeu Diablo, sauf que là on se déplace aussi avec la souris, avec le clavier, je vais y arriver. Et puis on gagne des petits trucs là en haut à droite, je sais pas si vous voyez, je ne sais pas ce que c'est. An old repeater falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Répéticroc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Répéticroc. Gotta hold her still to spin up the chamber. Oui, d'accord, ça tire des choses. Rechargement. Ok, ah oui, d'accord, c'est pas limité. Ah bah, pour l'instant, je ne fais que tout casser. Bah, casse tout alors, écoute, Johnny la malice là. Je sais pas comment il s'appelle le petit jeune là. Kid, il l'avait appelé. Le Kid, voilà. Voilà, J'ai soif, cette fontaine est une invitation. Sometimes you just need a drink. Alors, ok, je
J'ai rempli des fioles et F, je bois. Donc je vais de nouveau la remplir du coup. Yeah, bien vu. Je casse tout le décor. Oula, je sais pas pourquoi je pense que c'est pas des gentils ceux-là. Effectivement, c'est pas des gentils. Bon, ça va, ils sont faciles à friter. Même dans le début du jeu, ils vont pas me mettre un boss, hein. Bien d'accord. Un escalier. Un escalier de fer. Kid finds a memento from a girl he knew. Always used the fancy. Une fille qu'il connaissait, qu'il avait toujours aimé. Et puis il me dit d'appuyer sur table. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Barrette de cristal à souvenir, accessoire de mode couvert de suie. Ah bah sympa. Présente une grande valeur de type sentimental, sert à attacher des cheveux. Oui, bah une broche, ouais, une barrette, oui. Mieux vaut la garder au cas où. Ouais, des fois que tes cheveux courts te gênent, hein. C'est logique. Et un sceau de la cité, un souvenir, un badge d'identification du temps passé. Chaque travailleur officiel de la cité portait l'étoile de Kaelandia. Kaelandia, oh là, c'est pas un truc commun ça. On dit qu'il symbolise la chaleur, la labeur et le sacrifice. Oh ben, c'est pas des gentils donc chez eux. Bon, on va aller taper des... Oh punaise, j'ai pas l'habitude de ce déplacement là au clavier, un peu bizarre. Surtout que la vue ne vous suit pas. Enfin, c'est... Il y avait la plus belle vue d'ici. Ok. On va d'abord casser un peu ce qui se trouve autour. Des fois qu'il y a des machins là en haut là qui s'accumulent, je sais pas encore. Oh là, et oh, il me met des coups lui, il me les fout. Bon, alors tant que je suis près de la fontaine, je vais encore les boire et remplir ce que j'ai. Non, c'est ça. Voilà. Saloon. Bon, ça en est compris. Il fallait presser F pour se soigner. He sets foot inside one of Celandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking did. Alors, il y a une notion qui est aussi assez exceptionnelle pour ce jeu. Je récupère des pommes. Kid finds his trusty shield. Mon bouclier, c'est à moi ça? Yeah! Alors, c'est un truc terrible, c'est la musique. La musique est simplement exceptionnelle parce que j'ai découvert la musique avant le jeu en cherchant. Mais il me veut du mal, lui, je crois. Alors on va essayer de l'avoir avec cette arme. Oula! Voilà. Ah, mais ça marche bien cette arme. Je l'ai découverte en fait en voulant chercher la musique de Minecraft sur le site Bootcamp ou Bootcamp ou comme je sais plus comment il s'appelle exactement. Je vais les taper ces trucs là. Ah oui, non, d'accord, c'est des méchants. Oh, mais je vais crever. Non? Bon, ils sont simples au début, je pense. Ok. Ouais, je voulais écouter la musique de Minecraft directement en ligne. Et je suis tombé là-dessus. Non, j'ai pas vu ce qu'il me disait avec Mage. Il y en a beaucoup là quand même. Oh là là là, hey, mais c'est des malades. Je vais pas tenir, c'est affreux. Ah, ah, comment je fais pour me soigner? F, voilà, majuscule pour défendre. Ah, mais je peux me camoufler et tirer dessus. Eh, hey, mais ça tire automatiquement. Enfin, ça vise automatiquement. Ça fait une sacrée chute. Qu'est-ce qui fait une sacrée chute? Ça allait trop vite là. Ouais, et donc je disais, j'ai découvert la musique par hasard et je l'ai trouvée exceptionnelle. Vraiment un plaisir, une composition terrible, vraiment, vraiment terrible. Voilà. Une genre de momie là-haut, je sais pas ce qu'il nous veut. Fenêtre. Ah bah c'est peut-être là où il y a la vue magique. Récupérer le pins d'abord. Pour utiliser la roulade. Ah oui, il faut pas que j'oublie ça. Esquiver les attaques. Mais j'ai même pas été voir l'autre Mishkina là-haut. Il gets a good look at things on his way down. Le quartier. Il lands on top of a breaker's bow. And it ain't broke. Yeah, j'ai même un arc. Arc des éclaireurs. Écoutez-moi cette musique derrière. Elle est exceptionnelle. Je sais pas si je peux la monter un petit peu. Voilà, pas plus. Vous remarquerez que quand on met le menu, ça étouffe un peu la musique. C'est original. Kid spies a good perch for some target practice. Ah, c'est un lieu d'entraînement, ça? Tirez fort sur la corde. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Alors, c'était E ou F pour se soigner. E, récupérer des fioles, je suis à fond déjà.
Pour verrouiller les ennemis, d'accord. Donc ça me protège et ça verrouille les ennemis. Parfait. Oh là là, c'est un peu casse-gueule. Ah, mais il y en a plein partout. J'ai pas vu, lui. Eh non, arrête de me tirer dessus. Oh, en plus, moi, je suis pas doué, là, sur les trucs, là. Je sens qu'il va encore me casser la gueule. Et voilà, il me tire dessus. Ça, je suppose que si j'évite, je vais tomber. Je vais aller tester. Ah non, ça va, je tombe pas. En évitant, je tombe pas. Mais par contre, je suis pas sûr que... Ok. Yeah. Ça va, c'est marrant, dis donc. Ah, je pensais à un truc l'autre fois aussi. Il y a un avantage de jouer et de faire une vidéo pour vous. C'est quand c'est pas un jeu multi, ça permet de moins se sentir seul, entre guillemets, à jouer, parce qu'on a toujours cette présence que... Oh, oh, oh. Tornade, d'accord. On a toujours cette conscience que vous serez là à regarder avec moi. Même si au final je suis quand même tout seul pour jouer. Mais le fait de vous parler, tout ça, enfin je sais pas, c'est marrant. Voilà. Ok, je vais arriver à le viser, lui. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu Mishkin ce que je viens de dire, mais bon. Ah, il y en a partout. Ah, non. Eh, mais il tire des boulettes de malade. Retourne voir chez mamie, toi, pour voir là-haut. Va manger tes frites. Va manger tes frites, il y en a des frites qui t'attendent. Ah, vous avez pu aussi remarquer un truc qui n'a rien à voir avec le jeu, mais à la fin de... D'accord, une distillerie. Alors je disais, à la fin de chaque épisode, je vais vous glisser une petite pub comme ça marrante que j'ai enregistrée en audio pour vous inciter à vous abonner à la chaîne, pour vous inciter à venir sur le Twitter, tous les canons. Si ça vous plaît, faites-moi le savoir, que je ne casse pas le fût pour rien, parce que ça prend quand même un peu de temps d'enregistrer ces petites bricoles, mine de rien. Alors, une gorgée de liquide, il se sent comme neuf. Hein. C'est-à-dire quoi? En fait, j'ai le droit à des potions, en fait. 10%. Ou c'est peut-être des compétences. Extrait de gicleur fermenté avec un arôme de pain rassis et d'eau de mer. Très nutritif, ça doit être dégueulasse. Acre, concoction. Ah, concoction qui apaise le... L'essence et calme les nerfs, apprécie des éclaireurs et des autres forces de combat. Et qu'est-ce que je dois faire avec ça? Créé lors d'une soif arrosée au bistrot, cette boisson est devenue populaire chez les mineurs et ouvrait arrière-goût métallique. Aperçon de fragments épars. On va prendre 10% coup critique ou 10% de santé maxi. Bon, allez, maxi, voilà. Je sais pas si c'est une compétence passive ou un truc comme ça, je n'ai aucune idée de... Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, là, je peux changer d'arme, en fait. Mais comment ça marche? Parce que moi, j'aimais bien, là, le... Ah, c'est là-dedans que je peux changer. Ouais, mais non, je vais garder le marteau des éclaireurs. J'ai la même chose, là. D'accord. Je pense qu'après, quand j'en aurai plus, ça sera... Tir dansant. C'est une technique secrète des éclaireurs projetant une flèche rebondissant de cible en cible. À l'origine destinée à des fins de spectacle, il a fini par trouver d'autres utilisations. Requiert un tonifiant noir par utilisation. Et la tornade, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais prendre? La tornade, c'est bien quand il y a plein de monde autour. Je vais peut-être garder ça pour l'instant. Je pense que ça doit être des compétences passives, en fait. Sinon, je vois pas trop... Et là, c'est par où? C'est par là? Ok, allons voir. Notez cette musique exceptionnelle derrière. Alors, on va essayer la tornade. C'était A. D'accord. C'est efficace, hein. Oh là, ils t'ont entendu, donc. Ah, donc ça, c'est les trucs noirs, là, que je possède. Ah, et ça me tire dessus, des saloperies. Ok, donc faut que je casse déjà ça, je pense. Voilà, ça c'est fait. Et il faut que je tape les messieurs. Bon, alors, vu que j'ai augmenté le niveau de la musique, faut que je reste à côté du micro, quand même. Faut pas que je m'éloigne. Un tonifiant noir, ça c'est quoi ça? Alors je sais toujours pas ce que c'est que ce truc là-haut, est-ce que c'est en rapport avec... Non, l'XP elle est là. Je sais pas d'ailleurs ce que va m'apporter l'XP. Non, moi je casse tout. Hein. On sait jamais, hein, des fois qu'il y a des choses qui se cachent dedans. Ah non, ça je peux passer à travers. Un bateau. Ah donc je retournerai plus en bar voir l'autre, hein, je crois bien. Hein. Oh là, toi, amigo. Mais... Il est fou?
interrupteur. D'accord. The bastion's real close now. Le bastion est tout proche maintenant. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y en avoir tout le chemin. Right back at you. Retour à l'envoyeur, donc le bouclier me sert vraiment bien en fait, visiblement. Si j'arrive à le mettre, c'est encore mieux. Ah, la musique motive bien, surtout que je la connais déjà. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un mini-boss ou quoi? Soigne-toi, soigne-toi! Hola, hola, amigo! Qu'est-ce que c'est que ça? Chose lourde. Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. D'accord, ça améliore mon marteau. Ok. Oh là! Ça commence fort! Oh, ça commence fort! Et il me lance de la gélatine bleue! On se croirait dans le portal, c'est affreux! Ah, tais-toi! Non, 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 non! Ah, ah oui, je peux encore esquiver les coups! Ou je suis mort? Non, ne me dis pas que je suis mort! Et ben voilà, l'autre il fait des saltos, il a que ça à foutre! Soigne, F, voilà! Allez, barre-toi! Mais c'est pas des gentils, dites donc! On va essayer la tornade suprême là! Oh là là, je sais pas pourquoi, mais je le sens mal, ça. F, soigne, et j'ai plus de potions. Donc si là, je risque de mourir. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Et voilà. Après, s'échappe pour continuer. Ah bon, on recommence au même endroit. Je pensais parce que c'est le début du jeu. Oh, mais les claques qu'il me met, c'est même plus des claques, quoi. C'est des coups de poing de malade. Ah, c'est que je l'ai eu. Ouh. Mais... Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a ça, là, qui me jette des tortues ninja bleues, là. Ah, pas ça. Je vais utiliser la tornade. Oh, il y a des vitamines partout. On va essayer de juste pas marcher dans le vide, ça serait quand même cool. Les sons sont pas mal aussi, hein, franchement. Alors, faut pas oublier que c'est un... Enfin, je l'ai pas dit, d'ailleurs, donc je précise que c'est un jeu indépendant. Voilà. Suivez les jeux indépendants. Non, je vais me casser la gueule. Suivez les jeux indépendants, il y a des choses vraiment sympathiques qui sortent. Ça évite de trouver des remakes, des reloads, des reboots que les gros studios sortent. C'est toujours la même chose. Vraiment, c'est chiant. Noyau. Oh là là, je sens que j'aurais pas dû faire ça, je sais pas pourquoi, mais. Kid has a feeling you better get a move on. The place is starting to fall. Tout commence à s'écrouler. Comment ça? Ah mais le chemin il s'écroule derrière moi. Il faut que je me taille en fait. Ah ouais mais là il y a une potion là. Est-ce que j'ai le temps de la prendre? Oui j'ai le temps de la prendre. Il y a des big tasty là partout. Oh là là, il y a des boules de pétanque qui volent dans tous les sens là. Je sais pas trop ce que c'est. C'est des choses qui me font mal, ça c'est sûr. Je pense à apprendre. Alors, comment je fais? C'est comme ça? Ok. See that core kid took was the only thing making this particular rock stay afloat. Tu as pris le noyau? Ah, j'ai pas le temps de lire. Je suis trop obligé de me. C'est dommage, j'ai pas une VF. Le kid commence à courir? Non. Ou si, peut-être, je sais pas. Ah, s'il marche un peu plus vite là. Ah, il a conscience que ça pue duc. Oh là! On va essayer de prendre ça quand même. Je suis un fou, moi. Je suis un fou, moi. Dégage! 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 Une petite esquive qui me permet d'aller un peu plus vite. Bon bah toi tu resteras vivant hein. J'ai pas le temps de... Bah non il meurt puisque le sol s'écroule de toute façon. Allez toi dégage parce que tu me fais plus de mal que tout le reste. Oh là là le sol s'écroule à une vitesse. Il s'aperçoit que Skyway. J'ai pas eu le temps de voir. Whisks him where it needs to go. Alors, ce sont des fragments de l'ancien monde à étudier dans le bastion. Ah bah parfait. Now the kid sees something stranger still. His mind races. C'est moi ou c'est juste très joli là?
Et je ne sais pas si le jeu est sauvegardé ou pas, j'en ai aucune idée. Did anybody else survive? Oh là là, c'est magnifique. Sure enough, he finds another. Tu as trouvé quelqu'un d'autre, c'est qui? He finds me. Ah, c'est toi qui me parles depuis avant? We talk for a spell. C'est pas ça, je voulais discuter. C'est tout? Pourquoi ça me fait apparaître ça? All I tell him is to set that core of his on the monument there, then watch. D'accord, je veux bien. Voilà, et qu'est-ce que ça donne? And just like that, the bastion comes alive. Starts growing again, growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the bastion can send him even farther into the wild unknown. Ah bah c'est magnifique, y a pas à dire. Je vais le répéter souvent, mais c'est juste trop beau en fait. Bastion ain't gonna build itself. Well, not entirely. Construit quelque chose? Comment? C'est Minecraft ou quoi? Comment je fais pour construire un truc moi? Ok, je viens de tomber. Comment je fais pour construire quelque chose? Faut que j'aille sur ces machins là? Ah, c'est peut-être ça. Ah, voilà, formation. Distillerie ou arsenal? Alors, arsenal, c'est pour les armes. Distillerie, c'est pour les brassages spéciaux. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, moi. Bon, allez, on va faire l'arsenal. Bouclier noir disponible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se voit pas là-dedans? Non. Ah, ça c'est juste mon sac, d'accord, donc en gros c'est l'inventaire. Bastion's a place of peace, but we can hold our own if we have to. Ça doit être ça. Ouais, mais je vais garder ma tornade là, ça m'a bien servi pour l'instant. Et qu'est-ce que ça fait? Je peux pas. Y'a quoi d'autre? Y'a rien. Y'a ton répétit croc là qui me paraît bien minable. Non, je vais garder ça, ça me paraît pas mal. Et maintenant, what the f... What the fuck? I tried to let the kid down gently. This is the bastion, alright. Except no one else showed up. D'accord, ok, il l'a gardé. There's a bit of the bastion's power in that crest. Enough to point the way to the cores. La direction des noyaux, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est craqué le vieux, hein. Là, je suppose que je peux plus rien casser, bien évidemment. D'accord, donc là, je suppose qu'il y a la suite. Eh ben, écoutez, quelle minute nous sommes? Parfait. Il reste 8 minutes. Ça fera un épisode de plus de 20 minutes, quand même. Voire 23-24, puisque j'ai pas mis le chrono. Tout de suite au début, j'ai laissé volontairement la présentation sans chrono. Ouais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ça nous fait une bonne. D'ailleurs, je crois que c'est la vue de l'intro. La démo. Parce que vous pouvez trouver la démo sur Steam, une démo gratuite à tester. Et il me semble que la démo ramène à ce point-là. Donc, pour l'épisode 2, je vais découvrir avec vous la suite de ce jeu. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus pour l'épisode 2. À plus, bye bye! Bonjour monsieur. Bonjour. Savez-vous que vous êtes l'heureux gagnant de notre grand tirage au sort? Ah oui, c'est vrai? Et qu'est-ce que je gagne? Bah vous gagnez le droit de cliquer sur « Je m'abonne » et de pouvoir continuer à voir la suite des aventures. Bah attendez, ça sent l'arnaque votre truc là. Non non, allez-y, cliquez. Bon alors, je clique ici. Ah oui, c'est vrai, tiens. Bah voilà, je vous l'avais dit. Bah merci, dis donc. Mais je vous en prie, monsieur.